C'est bon. Ok. Pourquoi non? Par là et...
Le soleil va se coucher dans le lit de la rivière et demain matin, il y aura rosée. Et encore heureux qu'il ne se soit pas couché dans la mer, autrement on aurait été inondé. Bonjour Messie. Comment va Messie? Il va bien? J'espère que les damoiselles et les fillottes et les chevaliers et les escuyers qui sont là devant la télévision, j'espère qu'ils vont bien aussi. Alors je vous salue bien. Voilà. Au moins à votre service. Oyez, oyez. Oh, tu veux te battre? Tu veux te battre avec moi? Tu veux te battre? Viens. Oh, ça va, je te fais chevalier. Je te fais chevalier, tu mets un genou à terre comme ça. Tu fais comme moi, pareil que moi. Voilà, tu bouges pas. Vous avez encore envie de ce petit garçon? Ça va? Il n'est pas trop sage? Moi, je lui coupe la tête direct. Oh, je fais chevalier, ne bouge pas. Moi, je te coupe l'oreille. Je te fais chevalier. Laisse-moi, je vais te couper. Je te fais chevalier. De mon contour. Voilà, comment tu t'appelles? Elias. Elias. Oh, Elias, tu choisis ta princesse, ta reine. Isabelle. Tu veux que je choisisse ta reine? Tu veux que je choisisse ta place? Alors je vais choisir une reine pour toi. Je cherche dans l'assistante. J'envoie une reine. Attends, attends. C'est du cinéma. Je te rassure. Ah, je vois une belle reine. Ah, bah, madame reine, madame Isabelle. Ouais, les Guillaume Dylan, ils doivent pas. Thank you.
Tenez bien la charrette, madame. Extraordinaire par faible luminosité et surtout une nuit fantastique qui leur permet
Pardon. Évitez les déplacer, verser la porte, du coup ça arrive même pas. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. La chose est vraie que pendant longtemps d'être par l'homme, qu'il appelait la dame blanche. En effet, ses cris stridents, ses mœurs nocturnes et son masque face à blanc effrayaient les paysans qui l'ont pendant longtemps crucifié sur les portes des granges. Ils évitent la pollution des maladies. On les appelle les éboueurs.
de la nature. Il suffit de couper le micro. Ah oui, alors là, t'as bien cru, hein. T'as cru que t'étais vraiment aussi petit qu'un pigeon. Alors même s'il fait partie de la même famille que le martin pêcheur d'Europe, celui-ci est un piètre pêcheur, mais un excellent chasseur. Des reptiles, c'est un épaule le retrouve très souvent dans les jardins publics. Et c'est aussi un grand colleur de poignade sur les barbecues. Son bec est redoutable. Il est également très rapide et très agilent.
regarder pour YouTube. Ça n'a pas intérêt à dire quelque chose. Je vais raconter une petite histoire. Vous êtes d'accord? Non. Vous n'êtes pas d'accord? Dégagez. C'est pas difficile, moi. Moi, je raconte une histoire pour les gens qui en veulent. Les autres, ils ont qu'à se faire voir ailleurs. Fais-le. Public, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Vous êtes en train de prendre un bain de foule? Mais demain, il n'y aura personne ici. Venez. Vous pourrez voir aisément la belle commune dans laquelle on est. Mon contour, c'est là où il y a les tours de con. Eh ouais, c'est une cité, c'est pas une commune. Ah bon? Ouais. Ah bon, alors c'est la cité. C'est la cité quoi? La cité de Moncontourèze. Ah, Moncontourèze. Bon, regarde la cité de Moncontourèze. Ouais, ouais, enfin bon. Tiens, ça c'est YouTube, tu peux parler, vas-y. Vas-y, dis ton mot. C'est grand comme le Vatican. Pourquoi le Vatican? Parce que le Vatican est tout petit. Moncontour est tout petit. Ah oui, d'accord. Ça oui. Fait 47 hectares. Pour ceux qui étaient déjà là tout à l'heure, vous connaissez le fonctionnement de l'instrument? Vous n'étiez pas là tout à l'heure? C'est pas les mêmes, ils ont changé. Ah, excusez-moi, je ne vois rien d'ici. Alors, je vous explique. Ceci est le plus petit et le plus important instrument de la formation. Il signifie deux choses. Premièrement, que les femmes, quoi qu'on en dise, ont toujours le dernier mot. Ça m'étonnerait. Et deuxièmement, que le morceau ou la prestation que nous venons de faire est terminée et que donc, vous pouvez imiter la foule en délire. Ouais, voilà, bon, j'allais vous proposer une répétition, mais c'est bon, alors je vous refais juste pour que vous reconnaissiez le son. Ouais. Hein. Ça fait ça. Ouais, ça fait plaisir. On y va.